Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente, une fois par semaine, un nouvel album. Progressif, post-rock, metal, pop, rock, ici, pas de frontières. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Vous connaissez probablement le guitariste australien Pliny et ses guitares Strandberg. J'ai trouvé son alter ego indien, un certain Adarsh Arjun. Un artiste qui joue également dans le groupe de métal indien Agnostic et dans un genre plus traditionnel dans le morceau Hirdaya. Après avoir publié plusieurs singles sur Bandcamp depuis 2021, il arrive avec un premier album, Echoes and Echoes. Le disque se compose de 10 pièces instrumentales de 2 à 5 minutes, où le musicien joue de tous les instruments. Comme Pliny, Adarsh joue principalement de guitare, usant de djent et de métal progressif sur des sonorités très lumineuses. Sa musique intègre également des éléments traditionnels, tout particulièrement dans le dernier morceau intitulé Triade. Mais contrairement à Pliny, il ne semble pas affectionner particulièrement les guitares Strandberg. Et si le titre Hide and Seek ressemble beaucoup aux compositions de son modèle, le reste de l'album est assez différent. Alors certaines pièces manquent de développement. Un thème à peine esquissé qui s'achève en fading out. Mais rassurez-vous, d'autres comme Existential Misery sont nettement plus riches en rebondissements. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'être un fendu du manche ou des six cordes pour apprécier Echoes and Echoes. Batterie et clavier y occupent suffisamment d'espace pour séduire un très large auditoire, d'autant que la fibre métal de cet album est assez lâche. I Can Breathe est une des pièces qui tabasse le plus, usant de gros riffs, djent et de motifs orientaux. Le titre joue de grands écarts entre métal rageur et danse colorée. A l'opposé, il y a Existential Misery, tout particulièrement au début, qui livre de sublimes atmosphères planantes. D'ordinaire, les albums instrumentaux passent rapidement au second plan, car je ne suis ni guitariste ni musicien. J'écoute pourtant Echoes and Echoes en boucle depuis peu. Pas en musique de fond, mais bien attentif à chaque note. Peut-être est-ce parce que j'ai l'impression qu'ici, les guitares d'Adarsh chantent au lieu de plaquer des accords et des riffs. Des guitares qui tissent des mélodies dansantes comme des rayons de soleil à travers les feuilles. Une musique lumineuse et colorée qui réchauffe un genre musical plutôt sombre d'ordinaire. Echoes and Echoes est ma première sortie de l'année 2023 et je ne vous cache pas qu'il rentre de ce pas dans mon top de l'année, même si j'attends encore beaucoup de merveilles comme Anasazi, Clone ou RPWL. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt, bisous !